Donc, si vous le permettez, nous allons entrer dans le vif du sujet avec la première question. Disons que l'importance de reconnaître le mois de l'histoire des Noirs, pourquoi est-ce important? Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce mois de l'histoire des Noirs qui a lieu tous les ans? On peut commencer. Qui souhaite commencer? Là, je vous laisse. La question est égale à peu près pour tout le monde, là. Qui veut commencer à répondre à cette question? Le spécialiste Amadou. Madou. Honneur au spécialiste. Bonjour tout le monde. J'aurais bien aimé que mon doyen, mon professeur Monupa commence, mais s'il m'autorise, je pense que je peux y aller. Donc, merci pour cette belle présentation, Marilyn. Juste, j'aimerais ajouter aussi qu'entre-temps, j'ai eu à sortir un autre ouvrage qui s'intitule L'Afrique des grands empires, que j'ai publié donc, en décembre 2011, qui retrace une longue histoire de 1000 ans de l'Afrique avant l'arrivée des Européens. Alors, donc, c'est une question que tout le monde se pose. Hein? Au mois de février, depuis 25 ans, au Canada, on célèbre l'histoire des Noirs. Mais pourquoi c'est important? Pourquoi doit-on célébrer? Beaucoup de gens se le posent et disent, mais est-ce que cela vaut la peine? Pourquoi on en parle au moins? Est-ce qu'on ne devrait pas en parler toute une année? Donc, on célèbre l'histoire, ce n'est pas seulement au Canada, hein, ça a commencé aux États-Unis, hein, avec une histoire quand même où vous savez très bien ce qui s'est passé avec la connexion avec l'Afrique, l'esclavage et tout. Donc, mais aussi, on célèbre ça en Grande-Bretagne. Disons, ce sont les plus grands pays où on célèbre l'histoire des Noirs. Alors, au Canada, nous sommes d'abord, avant tout, dans un pays qui reconnaît le multiculturalisme intégral dans sa constitution. C'est un des rares pays dans le monde où la diversité, les autres cultures, les autres communautés sont acceptées comme membres intégrants dans notre société. Alors, pour ce qui est donc des Noirs, disons des Afro-Canadiens, des Afro-descendants, c'est une histoire très longue parce qu'il faut d'abord comprendre que l'histoire de l'Afrique, on ne peut pas l'imaginer sans essayer de retourner pratiquement 500 ans en arrière, pratiquement vers le 15e siècle, et ce qui en est suivi. Donc, l'esclavage, les comptoirs, les explorations, ensuite au 19e siècle, la colonisation. Donc, tout cela a fait que l'Afrique a envoyé beaucoup de monde, donc par la force, bien sûr, à l'extérieur de l'Afrique, notamment dans les Caraïbes et dans les Amériques. Et cette histoire, elle a des conséquences que nous vivons encore aujourd'hui. Donc, on ne peut pas vouloir résoudre un certain nombre de problèmes, notamment des questions liées aux discriminations, liées au racisme. Et vous savez très bien ce qui s'est passé la dernière fois sur la personne de George Floyd, qui est loin d'être le seul cas, mais qui a fait un tollé mondial, mais rien d'autre que ces conséquences de cette histoire-là. Alors, et on ne peut pas régler un problème. Je sais que la communauté afro-canadienne, c'est que les Noirs, les Afro ont énormément d'alliés dans la communauté canadienne, dans tous les niveaux. Mais comment on peut aider une communauté aussi diverse, aussi large, aussi variée que les Noirs, que les Afro-canadiens, si on ne maîtrise pas, ne serait-ce qu'un tout petit peu, cette histoire de 500 ans, en tout cas, qui a engendré des conséquences. Donc ça, c'est très important. L'autre chose aussi, il faut pas qu'on l'oublie. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays de 35 millions, pratiquement 1,3 à 1,4 millions de Canadiens sont d'ascendance africaine. Hein? Ils sont venus de l'Afrique, des Caraïbes, des États-Unis, où on veut, mais c'est des Canadiens noirs. Et ils sont pendant très longtemps présents dans ce pays-là. Et dans mon livre que vous avez cité, il retrace 400 ans d'histoire. Mais c'est une histoire qui n'est pas connue parce qu'elle n'a jamais été vulgarisée. Bref, je ne vais pas monopoliser la parole. Je sais que le grand professeur est là et puis Blaise aussi, ils ont des choses à dire. Je crois que c'est une très bonne chose de célébrer et que ce mois-là, il va finir par s'imprégner dans les esprits, que les gens vont l'intégrer. Et petit à petit, quand les choses rentrent normalement, ça va être une histoire de tous les jours, comme toutes les autres communautés. Et c'est comme ça qu'on va réussir à créer une société où tout le monde se sent bien, où tout le monde se sent accepté. Et c'est notre pays, le Canada, qui en sera triomphant. Parce que tout Canadien, toute Canadienne, n'importe quoi son origine, sa religion, ses orientations, si c'est une personne qui est bien, qui réussit, c'est d'abord le pays qui réussit. Si cette personne est à la traîne, ça constitue un boulet pour le pays. Donc, nous avons tous l'obligation de
travailler ces histoires-là, des histoires de minorités, que ce soit les Noirs, les Autochtones, les minorités chinoises, japonaises, énormément de minorités, mais ce sont ces minorités éclatées qui font la puissance dans notre pays, le Canada. C'est ça que je voulais dire pour la célébration de ce mois-là. Très bien, merci Amadou. Donc ensuite, Melchior ou Blaise, qui peut prendre la parole? Melchior, vous voulez prendre la parole? Je célèbre le mois de l'histoire des Noirs depuis des décennies. Je n'ai même pas le choix parce qu'on fait appel à moi tout le temps. Mais je dois dire que j'ai une petite gêne de temps en temps parce que célébrer le mois de l'histoire des Noirs, mais c'est très bien. Il y a le mois de l'histoire des femmes, il y a le mois de l'histoire de, je ne sais pas, des Autochtones peut-être, il y a des moi, de l'histoire de beaucoup de personnes. Mais ce que je crains, c'est que ça suggère que les Noirs doivent être singularisés. Je pense que le mois de l'histoire des Noirs, ça doit permettre aux gens de connaître les Noirs. Ça, c'est une très, très bonne chose, de lire des livres comme les livres d'Amadou, etc., etc. Mais je crois qu'il faut insister sur le fait que la meilleure chose qui peut nous arriver à nous les Noirs, c'est qu'on nous traite comme les autres, tout simplement. Qu'on ne demande pas des traitements de faveur. Donc, la non-discrimination, c'est-à-dire nous traiter comme des citoyens égaux à tous les autres citoyens, je crois que c'est la chose qu'il faudrait viser dans notre évolution. Parce que j'ai peur d'être un porte-étendard, c'est-à-dire d'être un militant de la singularité. Je n'aime pas beaucoup ça parce que je ne crois pas que ça sert aucun groupe, que ça sert un groupe particulier. Très bien. Donc, votre avis, Melchior, peut-on avoir votre avis, Blaise? Alors, oui, c'est très bien d'intervenir après Melchior, parce que c'est qu'il soulève mais parle particulièrement et ça rejoint, ça fait un peu écho aussi en même temps au constat que Amadou a fait avant. C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu avec ces dilemmes qui nous obligent pratiquement, en quelque sorte par la force de choses, par la force de l'histoire, à pouvoir prendre position en tant que noir, avant même que l'on parle de l'humanité tout simplement, hein, de la valeur intrinsèque de l'être humain dans l'universel. On se place a priori comme un noir. C'est vrai que ça pose problème, surtout pour l'humaniste que je suis. Hein. Je pense que c'est cette acception humaniste qui chatouille un peu Melchior. Le fait est cependant, et là je rejoins Amadou, c'est qu'on est héritier d'une histoire qui nous a précédés des siècles durant. Et il y a l'adage qui dit, on le connaît tous, que la mémoire est une faculté qui oublie. Et ce qui arrive quand on oublie, c'est qu'on a tendance à reproduire ce qui fut. Et qu'est-ce qui fut, en l'occurrence, s'agissant de Noirs, de l'identité des Noirs? Adamou l'a dit largement, je ne vais pas y revenir en long et en large. Toujours est-il que 4 siècles d'esclavage, suivis de la colonisation aussi bien en Afrique que dans les autres territoires, Caraïbes, Amérique latine et autres, où les Noirs ont été déportés du fait du commerce triangulaire, ont généré un certain nombre de comportements, de discriminations, qui eux-mêmes découlaient d'une hiérarchisation de race. Mm-hmm. C'est l'époque, on le sait, où il y a eu des théories lancées par des gens comme le comte des Gobineaux et autres, qui ont fait croire à l'humanité que le noir était en quelque sorte l'échelon manquant entre l'être humain et le primate. Et que par voie des conséquences, sa voix, sa vie ne valait rien. La preuve, c'est qu'on pouvait le vendre. La preuve, c'est que le code noir que Colbert a rédigé en France l'a assimilé à un bien meuble. Et comme le disait Adamou, toutes ces choses, toutes ces théories ont produit un regard sur le noir, un regard de dévalorisation. Si bien qu'aujourd'hui, par la force des choses, disais-je, on n'a pas le choix que de revenir aux fondamentaux. Et dont on n'aurait dû jamais se départir, à savoir qu'on est avant tout des êtres humains et qu'on est égaux et que toutes les constructions qui sont nées de ces théories racialistes ne sont que des aberrations.
et que les injustices qui s'en ont découlé ont permis de laisser dans l'ombre la part que les Noirs ont pu apporter à la grande symphonie du monde, que ce soit dans les arts, que ce soit dans les sciences, que ce soit dans plein de choses, le noir, comme le jaune, comme le blanc, en être humain à part entière, a toujours eu sa place dans l'avancement de l'humanité. Donc, à partir de ce constat et de ces angles morts créés par l'héritage esclavagiste et colonial, nous sommes bien obligés de revenir à cela et de célébrer cette présence noire ici chez nous qui va de pair avec toutes les luttes qui ont été menées pour que cette humanisation du noir ne soit plus niée, pour que les discriminations qui en sont issues soient combattues dans les faits et que nous puissions bâtir ensemble cette société harmonieuse à laquelle nous aspirons tous. Est-ce que je me permets, en vous écoutant tous les trois, une question me taraude, et elle me taraude déjà depuis un moment, je dois dire. Est-ce que vous pensez, à l'image de ce qui se passe chez nos voisins états-uniens, par exemple, la communauté noire est une communauté forte et soudée, qui travaille ensemble, qui veut se montrer. Est-ce que vous pensez qu'au Canada, on a besoin d'un modèle comme ça, ou est-ce que être juste individuellement, comme Melchior disait, on se fond dans la société parce que c'est ce qu'on devrait faire. Pensez-vous que ce serait plus fort d'avoir une communauté plus visible et plus spécifique, communauté noire canadienne par exemple, ou pas? Je me souviens de phrases que j'ai entendues lors de films ou de choses comme ça, que quand une personne noire fait quelque chose, ça a un impact sur toute la communauté noire. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut répondre en premier? On peut laisser cette fois-ci les autres répondre, mais si... Melchior, puisque vous êtes plus... Que pensez-vous? Je ne sais pas si vous voulez dire qu'on devrait créer un caucus noir au Canada ou créer une communauté organisée en tant que communauté noire. Si ça arrivait, ce serait une bonne chose, mais je parie que ça ne va simplement pas arriver. Parce que dans beaucoup de choses, je me rends compte, le mois de l'histoire des Noirs, par exemple, ou des slogans comme « Black Lives Matter », nous avons recours à ces slogans ou à ces mots de mobilisation, mobilisateurs, et nous y allons avec beaucoup de rêves et de passion. Et nous oublions facilement la cruauté de l'histoire, justement, si on parle des États-Unis. Et c'est depuis longtemps, mais on peut prendre même globalement Black Lives Matter. Je crois que Toussaint Louverture, en Haïti, dans Saint-Domingue, qui a été le premier à abolir l'esclavage, je crois qu'il ne disait pas autre chose. C'est déjà dans les années 700, je crois. Et puis, plus près de nous, si on prend les Martin Luther King, si on prend les Malcolm X, Mandela, etc., etc. Il y a beaucoup de gens qui nous ont précédés et qui ont contribué musculairement, qui ont contribué de façon puissante, et nous n'avons pas réussi à lever, à abolir le problème que soulignait mon collègue Bez Ndala. Je crois qu'il faut y aller. Il faut que chaque génération apporte sa pierre, mais j'ai peur que les gens se découragent par la déception. Parce que voir ce qui se passe aux États-Unis, après tant de luttes, après tant d'années de bagarres contre le problème... Très bien. Très bien. Donc, une autre question. Je voulais ajouter, si c'est possible. Oui, ajouter quelque chose, bien sûr. Parce que c'est une question très importante. Vous faites la comparaison entre deux pays, les États-Unis et le Canada. L'histoire est la même. Parce que la présence des Noirs aux États-Unis, c'est exactement à la même période qu'au Canada.
Hein? On sait que les premiers Noirs sont arrivés aux États-Unis dans les années 1619 à Jamestown comme esclaves. Au Canada, ils sont arrivés un peu plus tôt avec Samuel de Champlain, et puis l'esclavage a existé. Alors aujourd'hui, c'est vrai que ce qui se passe aux États-Unis, il y a quand même des violences beaucoup plus fortes sur les Noirs qu'au Canada. Ça, c'est une réalité. Mais attention, ça ne veut pas dire que aux États-Unis, les Noirs ont une identité beaucoup plus reconnue, beaucoup plus acceptée qu'au Canada. Aux États-Unis, les Noirs forment une communauté, ils connaissent leur histoire, mais l'histoire des Noirs au Canada, elle n'est pas du tout connue. Et pour moi, c'est un peu le recul, parce que je vais vous donner un exemple très simple. Quand Barack Obama a été élu président aux États-Unis en 2008, tout le monde entier applaudit, voilà un pays qui a avancé, en noir, etc. Mais pourtant, c'est des choses qui ont eu lieu ici au Canada au milieu du 19e siècle. Est-ce que vous connaissez, par exemple, James Douglas, qui fut le premier gouverneur de l'île de Vancouver et de la Colombie-Britannique? Sa mère est une fille de la Barbade, son père est un Écossais, qui a été le premier gouverneur de cette région-là et d'autres grandes personnalités. Donc, le problème, c'est que les États-Unis, c'est vrai, c'est un grand pays, 350 millions d'habitants, pratiquement plus de 50 millions d'Afro-Canadiens. Le Canada, c'est 10 fois moins. Mais la grandeur des États-Unis, leur histoire ne doit pas cacher un peu aussi la réalité de l'histoire des Afro-Canadiens, puisque c'est une histoire qui est là depuis 400 ans. Et la population aussi des Noirs au Canada augmente par le biais de l'immigration, parce que le Canada s'est ouvert à l'Afrique et aux autres régions du monde récemment. Et la natalité ne comblant pas toujours les populations. Donc l'immigration arrive de plus en plus. On le voit aujourd'hui. Oui, Donc bien je sûr. pense que c'est une histoire. Ce qui fait la différence, c'est que malgré toute la politisation, ce qu'on voit des États-Unis qui est beaucoup plus violent, mais quand même, les Afro-Américains ont leur histoire, connaissent, mais les Afro-Canadiens, pratiquement leur histoire n'existe pas. Et c'est ça qu'on devrait travailler, notamment dans les écoles, dans les sociétés, etc., dans l'opinion publique, pour que cette histoire-là puisse prendre forme. C'est ça que je voulais ajouter. Donc, c'est ce qui m'amènerait à justement parler de l'histoire méconnue des Noirs canadiens. Pourquoi donc justement est-ce important de la faire connaître et comment? Donc, vous avez évoqué l'éducation. Donc, je vous laisse la parole. L'importance de la faire connaître, je pense qu'elle va de soi. Si ces Noirs font partie de la communauté canadienne, s'ils font partie de l'État Canada, l'État du Canada tel qu'il existe aujourd'hui, de la même manière qu'on... Moi, je n'ai pas fait des études secondaires ici, mais j'imagine de la même manière, j'ai envie de dire qu'on bassine aux jeunes d'ici l'histoire de peuple fondateur, encore que là, ça a pris du temps pour qu'on puisse ajouter les autochtones. De la même manière qu'on leur a... bassiner l'histoire de colons francophones, français qui sont arrivés ici et britanniques. Mais si on pense que les autochtones, comme les Noirs, font partie de l'équation canadienne, de l'équation multiculturaliste, il est tout à fait normal et légitime qu'on puisse enseigner leur histoire, qui n'est d'ailleurs pas uniforme. C'est bien Amadou, pardon, Amadou l'a bien dit. Il y a cette présence très ancienne qui remonte pratiquement à la même période où les esclaves arrivent aux États-Unis. Mais il y a eu plusieurs vagues. Il y a tous ceux qui viennent après, d'horizons différents. Dans cette homogénéité, dans cette pluralité d'origine, il y a un moyen de tisser tous ces liens pour raconter cette histoire dans son ensemble et voir quelle a été la contribution des uns et des autres. Je n'ai pas lu dans les détails le livre d'Amadou, mais je sais par exemple que des questions comme la contribution des soldats, parce que c'est l'un des objets de son livre Noir dans les guerres d'ici, les contributions scientifiques, politiques, artistiques et autres. Si ces choses-là sont méconnues, eh bien, ça ne laisse pas la place aux jeunes générations noires, par exemple, de s'approprier tous ces cheminements et de se sentir fiers d'être ici chez eux. Ils vont rentrer dans ces prêt-à-penser, ces stéréotypes anciens du noir qui ne vaut rien, du noir criminel, du noir qui est là pour amuser la galerie, qui sont des clichés esclavagistes qu'on a hérités d'un temps qui ne devrait plus être. Mais c'est par l'histoire, c'est par l'enseignement, si cette histoire est mise à la portée de tout le monde et vulgarisée, ça redonne confiance aux noirs eux-mêmes pour savoir d'où ils viennent, qui ils sont et quelle est leur part légitime dans le roman national canadien. Et ça permet à la communauté dans son ensemble de savoir qu'elle a pu compter et qu'elle devra toujours compter avec la contribution de cette même communauté. C'est comme ça qu'on bâtit une nation, mais pas dans l'ignorance. Si, là où il y a ignorance, ben, ça donne lieu à des stéréotypes, à des discriminations, et ça peut
ça fait perdurer, évidemment, des clichés qu'on retrouve dans les institutions, la police, la justice, parce que, quelque part, on n'a pas pris la juste mesure de ce que cette communauté a pu apporter collectivement. Mm-hmm. Melchior, Amadou, vous avez quelque chose à ajouter? Je peux laisser Melchior parler, et puis j'ajoute à la fin, s'il a des choses à dire. Sinon. Moi, ce que j'aurais à ajouter, il ne faut pas perdre de vue l'absence d'homogénéité de la communauté noire. J'ai rencontré très peu, ici au Canada, de noirs de cette lointaine souche. Je rencontre toujours des immigrants. Donc, ce contact-là, je ne sais pas comment il se fait, par exemple. Ça doit se faire de façon volontariste, mais je crois qu'il faut, en début de connaissance, il faut savoir où est-ce qu'on va les trouver si on veut s'instruire à ce propos. Mais il me semble aussi qu'il faut faire très attention à une chose très précise. C'est-à-dire, il ne faudrait pas forger des mythes pour le besoin de se donner une ascendance fabuleuse, héroïque, etc. Parce que moi, j'étais choqué l'année passée. J'étais dans des histoires comme ça, de nouveau, le mois de l'histoire des Noirs. Et puis, je vois un historien qui montre qu'il y a beaucoup de choses inexactes sur un Noir fabuleux comme Da Costa, parce qu'il ne trouve rien dans la documentation qui parle de Da Costa. Donc, j'ai l'impression qu'il faut y aller lentement, vérifier les faits, vérifier les choses, pouvoir répondre à cet individu, par exemple, à cet historien. Ce n'est pas quelqu'un de caché, c'est un historien qui est sur la place publique, qui dit que Da Costa, il y a beaucoup à peu près, je ne sais pas, il m'a donné l'impression que 90% des choses qu'on dit sur lui ne sont pas vérifiées. Et ça, c'est très gênant. C'est comme si on courait après l'histoire pour trouver des choses qui font notre promotion, ou, etc. Donc, pour les autres qui ne sont pas noirs, bien évidemment, savoir connaître l'histoire des Noirs, c'est quelque chose qui va renforcer cette communauté des communautés que le Canada devrait être, tout simplement. Okay, je vais ajouter un peu. Donc, c'est la question de comment elle est pertinente. Donc, on a essayé de comprendre c'est quoi l'histoire des Noirs depuis quand même ces 5 siècles. Et je vais vous dire une chose. Depuis ces 5 siècles, l'histoire des Noirs n'a pas de ressemblance avec aucune histoire des autres populations du monde. Pour une raison très simple. Avant le 15e siècle, il y avait ce qu'on appelait l'esclavage, qui existait, qui est universel dans toutes les sociétés du monde. À partir du 15e siècle, avec le besoin du capitalisme, on va désigner le noir comme le seul et unique esclave pour être déporté, travailler dans les plantations, dans les Amériques, dans les Caraïbes. Ça, c'est une chose qui a fait que le noir va devenir par synonyme esclave dans toutes les autres régions du monde. Alors, c'est normal. Après l'esclavage, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est vrai, on a aboli l'esclavage. Mais je vous donne un exemple pour le Canada. Quand on a aboli l'esclavage dans les années 1833 dans l'Empire britannique, l'esclavage n'est pas aboli aux États-Unis. Alors, il y a beaucoup de Noirs qui voulaient se libérer, qui quittaient les États-Unis pour venir au Canada. Ils passaient par ce qu'on appelait le chemin de fer clandestin. Le Canada a accueilli parce qu'il y a quand même beaucoup de personnalités qui ont joué, mais on les appelait des fugitifs, c'est-à-dire des criminels. Hein? Et on les traquait avec des chiens. On les mettait dans les journaux. Et cette façon de faire, elle va créer dans l'imaginaire populaire que le Noir est un criminel. Et aujourd'hui encore, il y a dans beaucoup de conscience collective, il y a des gens, ils ont peur des Noirs, ils pensent que c'est des criminels. Mais ils ne savent pas d'où vient ce réflexe. Après avoir été une chose, une marchandise, donc la deuxième imagination qu'on va coller sur le Noir, c'est un criminel.
Tu peux avoir les meilleures valeurs du monde, être la meilleure personne, mais l'imagination fait de toi que tu es vu comme un criminel. Ça, c'est une deuxième chose. La troisième chose que je veux expliquer, c'est que, pour répondre à M. Manupa, l'histoire de Da Costa, c'est un personnage qui existe très bien. Moi, j'ai fait mes recherches sur lui. J'ai fait 4 années de recherche pour produire mon livre sur l'histoire des Noirs au Canada. J'ai travaillé sur les archives au Québec. J'ai lu des auteurs, hein, l'un des rares comme Trudel, Marcel Trudel, dans les années 60, a écrit. J'ai lu des gens comme Daniel Gay. J'ai lu des ouvrages en anglais comme Wings, comme Thompson. Il parle de Da Costa. Da Costa est venu avec Samuel de Champlain. Et Da Costa, il est venu, il n'était pas esclave. Da Costa est venu sur un contrat parce qu'il parlait, comme interprète. Il est retourné après. Donc, Da Costa n'est pas un mythe. Da Costa est dans toutes les sources historiques qui existent. Mais il est retourné en Europe. Et justement aussi, c'est parce que c'est un descendant d'Africain, c'est un noir qu'on ne le voit pas. Et là, ce n'est pas un cas particulier pour le Canada. L'histoire des Noirs, je vous dis, depuis ces 5 derniers siècles, c'est une négation terrible. Toutes les réalisations, vous allez dans n'importe quel pays, tout ce que les Noirs ont fait, ça a été une politique systématique de le nier, de taire, de ne pas... Donc, tant qu'on est dans cette logique, ne soyez pas surpris qu'il y ait du racisme, qu'il y ait de la discrimination, qu'il y ait des rejets, et que l'Afrique, même nos dirigeants encore, vont aller collaborer avec ce monde dominant. L'absence de démocratie, et tant l'Afrique n'ira pas bien, les Noirs de la diaspora n'iront pas bien. Donc, on est dans un tourbillon. Il faut que les gens en prennent conscience. Nous avons besoin d'une prise de conscience très longue de l'histoire de l'Afrique. Et c'est comme ça qu'on pourra sortir de ce carcan. Donc, c'est ça que je voulais ajouter. Et c'est très important, l'histoire, parce que l'histoire, c'est connaître le passé, savoir de quoi on vit aujourd'hui et qu'est-ce que nous voulons demain comme société. Si on néglige l'histoire, je pense qu'on va passer à côté de la plaque et comme Blaise l'a dit, on va reproduire les mêmes erreurs et parfois pire que les erreurs qu'on a eues dans le passé. C'est très important donc de souligner ce moment-là. Un petit ajout, donc, si vous permettez, hein, pour dans la même lancée où je parlais tantôt des stéréotypes qui perdurent quand l'histoire n'est pas connue. Je suis heureux que Amadou ait mis le doigt dessus sur la question de la sécurité, la surveillance des corps noirs qui perdure, qui prend d'autres formes. Là, vous parliez, Amadou parlait, de ces gens qu'on traquait, qu'on montrait dans le journaux et qui a perpétué l'image du noir. Mais sait-on, apprend-on à nos jeunes, savons-nous que jusque dans les années 80, par exemple, la police de la ville de Montréal s'exerçait dans le champ des tirs avec des portraits de noirs? On ne parle pas de 1800, on ne parle pas de 1921, lorsqu'on a pris des lois canadiennes en matière d'immigration pour interdire l'accès au territoire à des Noirs. On parle des années 80, pendant que le reste du monde se battait pour qu'on puisse libérer Nelson Mandela. Après qu'on avait décrié la mort de Martin Luther King chez nos voisins, à Montréal, la police s'exerçait à tirer sur des cibles noires. Quel message ça envoyait ? Institutionnellement, ce corps-là, qui a le monopole de la force légitime, intégrait dans son sein, dans ses mécanismes, le fait que l'ennemi premier, le bandit, les criminels premiers, c'était le noir. C'est pour cela qu'il est important d'enseigner ces choses, de retourner sur ses passés et à la fois donc de casser ces stigmates qui ont leur origine dans l'histoire que nous avons tous évoquée, mais également d'aller sortir de l'ombre des figures positives, comme Da Costa. C'est vrai qu'il peut y avoir des historiens qui vont broder quand ils n'ont pas d'informations, mais ceux qui se donnent la peine de chercher trouvent. Ceux qui veulent chercher que les modèles féminins des femmes noires qui se sont levées, découvrent qu'en 1946, avant Rosa Parks, en Nouvelle-Écosse toujours, Viola Desmond a été la première femme à s'être élevée, à refuser la discrimination dans un théâtre public, jusqu'à faire de la prison pour cela. Nos jeunes, blanches, noires et autres, doivent apprendre qu'il y a des modèles de ce genre-là qui, de tout temps, se sont levés, ont refusé ces discriminations pour qu'elles comprennent qu'aujourd'hui, eh bien, cette lutte-là, même si elle n'est pas terminée, Dieu sait si l'humanité est capable de vaincre tous ces démons, mais qu'on a des figures comme ça, qui sont comme des témoins d'une génération à l'autre, qui doivent nous inciter à ne pas baisser les bras et à ne pas nous décourager, même si, comme Melchior le disait, il arrive parfois qu'on se dise quand est-ce qu'on en sortira ? On peut connaître le désespoir, mais des figures positives, ici même au Canada, qui ont émaillé cette lutte, existent. Il faut les enseigner,
le vulgariser pour que l'ensemble de notre communauté se les approprie et trouve en eux des raisons d'aller dans la bonne direction de la concorde. Parlant de l'enseignement, je vais ajouter qu'il y a un progrès énorme qui est fait ces dernières années, c'est l'enseignement de l'histoire des autochtones. Voilà une communauté aussi dont l'histoire a été terrible. Hein? Mais depuis 2018, en tout cas, ce qui est de notre province de l'Ontario, le curriculum a changé. Et aujourd'hui, c'est une obligation pour les enseignants en études sociales, en histoire, de mettre l'accent sur l'histoire des autochtones. Ce n'est pas simplement que c'est marqué, mais c'est une obligation. Alors, ce n'est pas encore le cas pour l'histoire des Noirs. Pourquoi? Pourquoi c'est une histoire qui date de 400 ans? Je vous ai dit que les Noirs sont au Canada avant les Britanniques. Ils sont arrivés avant parce qu'ils sont l'habitant de la Nouvelle-France avec les Français. Ils ont précédé les Britanniques au Canada. Aujourd'hui, dire ça, peut-être qu'on va dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais c'est la vérité historique. L'histoire, c'est ça. Des fois, on peut dire des choses que les gens n'imaginent pas. Peut-être que ça peut les choquer. Mais nous, ce n'est pas notre problème de choquer personne. On dit les choses telles quelles. Et puis, voilà. C'est tout. Très bien. Donc, avant de continuer, permettez-moi de rappeler, j'aimerais rappeler aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, qu'ils peuvent poser leurs questions. J'incite même les gens à poser des questions, à vous poser des questions. Monsieur Rota, si vous voulez poser une question directement à nos panélistes, vous êtes le bienvenu, n'hésitez pas. Non, merci. C'est quelque chose, c'est très intéressant de les écouter et c'est beau de voir l'expérience qui est là. Je sais qu'au Canada, c'est quelque chose que souvent on dit, on garde aux États-Unis puis on dit, ah, c'est un problème là. Ici, au Canada, on n'a pas de problème. On est aveugle à ce qui se passe dans le Canada. Peut-être exprimer un peu les choses modernes qui se passent, qui causent des problèmes aux personnes qui sont noires. Parce que des fois, ce qu'on dit souvent, ça c'est un problème américain, pas un problème canadien. Mais les droits humains, comme on dit en anglais, on n'est pas lily white. Peut-être que ce n'est pas exactement un bon terme à utiliser en le disant, ce n'était pas le bon terme à dire, mais c'est en plein ça. Même les termes qu'on utilise ne sont pas exactement les meilleurs. Alors, un commentaire sur ce qui se passe aujourd'hui et des choses qui se passent de plus en plus, peut-être, je trouve que beaucoup plus métropole, on est beaucoup plus ouvert, mais encore avec les réseaux sociaux qui se parlent, se trouvent, les extrémités se trouvent. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent pour changer les choses? Qui veut répondre à cette question, M. Rota? Melchior, vous n'avez pas pris la parole depuis un petit bout, so. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? C'est-à-dire, la question, ça veut dire, qu'est-ce que les Blancs peuvent faire? Non, moi, les Canadiens comme Canadiens. Canadiens. Je pense que l'effort, il faut l'exiger de tous les côtés. Je crois qu'on s'intègre. On ne doit pas attendre d'être intégré par les autres. C'est-à-dire, il faut que chacun fasse son bout de chemin. C'est peut-être trop facile pour moi parce que je n'ai pas eu trop de difficultés à m'intégrer et à me faire intégrer. Mais aussi, étant donné que malgré tout, je crois que les immigrants, nous sommes la grosse, grosse majorité des Noirs au Canada, je crois que nous devrions apprendre à nos enfants aussi des choses qui ne sont peut-être pas bienvenues dans un panel comme celui-ci. Moi, je suis arrivé ici comme fugitif, d'une certaine façon, parce que dans mon propre pays, je ne parvenais pas à vivre, c'est-à-dire si j'étais resté, je serais mort. C'est vraiment très clair. Et donc, lorsque je dis, oui, la revendication, c'est quelque chose d'absolument nécessaire lorsqu'il y a des injustices. Mais la reconnaissance de la face positive du pays d'accueil, je crois qu'elle est nécessaire aussi pour qu'on ne vive pas dans la fiction. La réalité, c'est que moi, je suis venu au Canada parce que je ne pouvais pas. Je rôdais autour de mon pays pendant des années, je ne pouvais pas y rentrer. Et ceux de mes amis qui étaient à l'université avec moi, à l'extérieur du pays, qui y sont rentrés,
qui ont eu l'audace d'y aller, ils sont tous morts. Donc, nous sommes dans un pays, malgré toutes les discriminations qu'on peut constater, où on n'est pas condamné à mort d'avance à cause de sa naissance, à cause de... Donc, j'ai l'impression qu'il faut toujours être équilibré, c'est-à-dire qu'il faut lutter contre les discriminations, parce que si on souligne seulement les choses négatives, ça peut casser l'élan de beaucoup de personnes. Je constate que je n'ai pas les mêmes attitudes ou les mêmes réactions que mes propres enfants. Je constate que ma fille, par exemple, elle est vraiment en ligne de front là, dans le fameux mouvement Black Lives Matter. Et c'est qu'elle a une autre expérience. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas mon expérience. Moi, j'ai l'expérience d'être arrivé ici et d'avoir poussé un ouf de soulagement. Parce que, oui, c'est comme ça. Mais elle est née ici. Elle est née dans la liberté. Et donc, elle supporte beaucoup moins qu'on la piétine ou que ses congénères, etc. etc. Donc, c'est très complexe et il ne faut pas simplifier. Il ne faut pas mystifier, disons. Bien. Je vais ajouter avant de partir, j'aimerais répondre à Monsieur l'Honorable qui a soulevé quelque chose de très bien important sûr. En disant que oui, il a raison. Quand on parle de ces choses-là, on dit OK, c'est les États-Unis, c'est là-bas, nous on est clean. Cette réaction, on l'a dans la société canadienne. Alors, ça vient de quelque part aussi, cette réaction-là. Alors, si on regarde l'histoire du Canada, avant la création de la Confédération en 1867, les Britanniques étaient là. On sait très bien que le Canada, c'est un dominion britannique. Les Britanniques, ils ont l'expérience de travailler avec le monde entier. Ils ont des colonies partout. Ils sont allés en Inde, ils ont des colonies partout dans le monde. Et les autres minorités dans les armées britanniques, et tout, c'était beaucoup plus ouvert. À partir de 1867, quand on crée la Confédération, donc avec les quatre provinces, hein, le Haut, le Bas-Canada, puis le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse qui vont être créées, on va voir progressivement... D'ailleurs, si je regarde le cas des armées, une discrimination beaucoup plus forte envers ces populations-là. Et quand on regarde l'immigration vers l'Ouest canadien, hein, on va ouvrir plus le Canada vers les Européens. Je ne parle pas seulement des Européens français, britanniques, les Européens de l'Est, les Allemands, les Norvégiens, les Finlandais, tout le monde. Ils vont aller vivre. Et regardez les prénoms, les patronymes canadiens. Il y en a énormément des Danois, des Allemands et tout. Ils sont venus à cette période-là. Et pendant cette même période, des Noirs fuient les États-Unis, le Nebraska, on peut partout, contre le racisme américain, on les fermait la porte, on ne voulait pas de Noirs. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait un Canada, un white man country. Et ça, c'est vrai. Moi, je ne le dis pas pour chicaner, c'est la vérité. Le Canada a été créé comme pays de blancs après la Confédération. Et c'est une erreur historique à rectifier, puisque on l'a vu même des provinces comme l'Ontario ici. Après la guerre de révolution américaine, la guerre de sécession de 1865, est-ce que vous savez que 50% de la population afro-canadienne dans l'Ontario est retournée vivre aux États-Unis? Est-ce que les gens savent qu'il y avait des écoles ségrégées en Ontario, en Nouvelle-Écosse, comme aux États-Unis? Est-ce que les gens savent que dans les hôtels, dans les restaurants, les Noirs étaient interdits? Est-ce que les gens savent que dans les églises, les Noirs n'avaient pas le droit dans les mêmes églises que les Blancs? Donc, pourquoi on ferme cette histoire? Et de l'autre côté, on enseigne le Canada comme le paradis pour les Noirs. The Underground Railroad de Barbara Smirker, qui est enseignée dans les écoles, dans les 7e année, 8e année, on présente le Canada comme le paradis versus les États-Unis, l'enfer. Voilà pourquoi nous en sommes ici. Nous ne sommes pas là pour retracer, pour chercher une gloire. On n'a besoin de rien du tout. On a besoin que cette histoire soit maîtrisée. Et puis la force doit venir de la diaspora. L'Afrique est brimée. Les chefs d'État africains aujourd'hui, c'est des dictateurs. Ils sont à la solde des puissances, ils sont à la solde des multinationales, ils n'ont aucun intérêt pour les populations. Et tant que la libération ne viendra pas de la diaspora, de ces Africains qui ont une connexion avec l'Afrique, l'Afrique à l'intérieur ne pourra rien faire. Donc moi, j'invite les Africains, j'invite les gens de la diaspora à parler, pas de complexe, pas de peur, on parle jusqu'à ce que l'Afrique soit libérée. Merci. Très bien. Blaise, vous voulez dire quelque chose? Bon, je me souviens plus exactement de la question. J'étais emporté par les réponses très passionnées de mes deux amis. Hein. Mais bon, très très peu de choses. Peut-être pour revenir rapidement sur ce que Melchior disait. Je pense que c'est tout à fait clair que
que ce soit sur des questions comme celles qu'on a vues autour du fameux mot qui nous a embrasé ici, ou sur la question de la mort de George Floyd, il y a toujours ce clivage entre les jeunes qui sont nés ici, qui ne connaissent pas certaines réalités qui sont les nôtres, et nous qui venons de l'étranger, des gens comme nous trois ici, qui sommes qualifiés, qui avons été, et c'est mon cas, sélectionnés sur base de mes diplômes, par exemple. Moi, je suis venu de la Belgique parce que, voilà, j'ai été sélectionné sur la base de mon expérience tout à fait autre. Et j'avoue, dans le sens de ce que disait Melchior, qu'à chaque fois, et je l'ai fait encore il y a deux jours avec un journaliste belge à qui je donnais une entrevue sur mon livre, qu'on me demande, c'est que j'ai pensé du choix que j'avais fait de venir au Canada. Je n'ai de cesse de dire que c'est l'une des plus belles décisions que j'ai prises de ma vie. Donc, je suis venu ici, je peux comparer avec ce qui se passe en Europe, en France, en Belgique, où on a choisi le modèle de l'assimilation au nom d'un certain universalisme qui voudrait que tous les gens aient le même droit, soient égaux, frères, hein, fraternité, égalité et quoi d'autre ? Égalité, fraternité, liberté, pour ce qui est de la France. Fraternité. Oui, qui sont des théories, mais dont les populations d'origine africaine, pour s'en tenir à notre journée, à notre mois, constatent au quotidien que cette égalité, cette liberté, cette fraternité ne les concerne pas. Que dans les faits, lorsqu'ils amènent des revendications qui mettent le doigt sur les discriminations dont ils sont victimes, on en arrive à des lois comme celles qu'on voit en ce moment, des lois où ils sont accusés de prôner le séparatisme, qu'ils veulent briser la République. On est dans cette réalité où on se met le coup dans le sable et on dit que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, nous sommes tous enfants de la République. Je me réjouis de ce que le Canada a pris le contre-pied de ces modèles et dans les années 70, sous Pierre-Éliott Trudeau, sans vouloir faire la promotion des libéraux, a choisi de tenir compte de ses spécificités et de faire une politique réelle de la relation, dans le sens que lui donne Édouard Glissant, d'aller chercher nous-mêmes dans l'autre, dans une sorte de politique de la relation, d'entrer en relation avec les autres, en tenant compte de ce que l'autre apporte. Et donc, moi, je suis fier d'être dans cette communauté qui part de cet élan-là, qui ne me nie pas, qui ne gomme pas mon côté bantou, mon rire bantou, mon accent congolais, qui ne le gomme pas, qui ne me dit pas « speak Canadian watch », je ne sais pas quoi, qui me prend comme je suis en espérant que mes différences vont enrichir la communauté. Ça, j'en suis conscient. Cela étant dit, je crois que la responsabilité première d'un immigrant, c'est de faire en sorte que le pays auquel il vient de se joindre devienne meilleur grâce à l'empreinte qu'il vient y ajouter. Et c'est dans ce sens que moi, je travaille, comme d'autres, à faire un Canada qui soit meilleur que celui que j'ai trouvé ici. Mais après, quand j'arrive ici, à côté de ce que de jeunes comme l'enfant de Mbonipa amènent, je constate que pour ce pays soit meilleur, et moi je travaille, comme certains le savent, dans le milieu carcéral, hein, je visite les prisons canadiennes. Et je ne peux pas être insensible à une réalité qui est celle où il y a une surreprésentation à la fois des autochtones et des Noirs. Et j'ai beau venir et me sentir douillet dans mon confort de fonctionnaire, qui est bien payé, qui a un auteur, mais quand j'entre dans ces milieux, et que je questionne les ressorts de cette surreprésentation, je vois le mécanisme d'un État dont les bases anciennes sont fondées sur la discrimination que décrivait Amadou. Adamo, pourquoi je t'appelle Amadou ? J'en sais rien. Amadou, c'est Amadou mon nom. Hein, c'est Amadou. Que... Excuse-moi. J'espère que c'est la dernière fois. Donc, une fois que je fais ces constats, ben, je me dis que rendre ces pays meilleurs, c'est aussi travailler dans la mesure du possible, apporter ma voix dans la mesure du possible pour mettre le doigt là où ça va mal. Et c'est dans ce sens-là que l'histoire nous sert à revenir en arrière, à décortiquer les mécanismes de cette violence d'État qui a changé de forme. Parce qu'aujourd'hui, aucun Canadien ne peut sortir dans la rue, à part quelques extrémistes un peu farfelus, pour dire qu'il est d'accord que les Noirs soient maltraités ou que les Autochtones soient maltraités. Ça ne se dit pas. Ça ne s'accepte pas dans la société. Si vous faites ça sur les réseaux sociaux, les gens vous tombent dessus. On ne peut plus l'assumer. Mais cela n'empêche que dans le fonctionnement de la société, l'État lui-même, malheureusement, malgré les avancées dont des gens comme moi sont bénéficiaires, continue à perpétuer des formes subtiles de discrimination. Les institutions, la police, la justice, les institutions qui s'occupent, par exemple, de l'harmonie dans le foyer, la DPJ au Québec, je ne sais pas comment on appelle ça en Ontario, qui travaillent pour la cohésion des enfants,
ont encore des réflexes qui font qu'ils, au lieu de participer à consolider les familles fragiles, parce qu'ils sont souvent des familles pauvres des communautés noires et autochtones, continuent des pratiques anciennes qui fragilisent, de la manière dont on gère, par exemple, la séparation des enfants de leurs parents, toutes ces choses qui tendent vers une criminalité, les lois qu'on prend pour les travailleuses du sexe, qui viennent souvent de ces milieux assez défavorisés, dont les communautés racisées, toutes ces choses-là sont encore parmi nous. Alors, oui, même si nous ne sommes pas les États-Unis, même si nous n'avons pas les chiffres effarants de la présence noire dans les prisons comme les lois Jim Crow ont pu les créer aux États-Unis, ben, nous avons encore, malheureusement, le relan de cette histoire ancienne qui font que, au niveau de la cohésion de nos familles, au niveau de l'accès à l'emploi, au niveau des emplois les plus fragilisés, et la crise de la COVID nous l'a montré, eh ben, les Noirs, comme certains groupes minoritaires, sont encore en train de payer un lourd tribut de ces situations-là. Attention, Blaise, je vais juste préciser, quand on fait le rapport population dans les prisons, le Canada a plus de population d'Afro-Canadiens emprisonnés que les États-Unis. Vous voyez, on peut. Ça, c'est des chiffres. Hein? Les statistiques Canada le montrent. La population du noir au Canada fait 1,3 million, mais elle est surreprésentée dans les prisons. Si on multiplie jusqu'à voir la taille des États-Unis et on multiplie les détenus jusqu'à voir la taille des États-Unis, vous verrez que le Canada est devant les États-Unis. Mais les gens ne le savent pas, encore une fois de plus, ce que je vous dis là. Ça, c'est vrai, c'est des chiffres. Les échecs scolaires, les problèmes de logement, les discriminations. Donc, tout cela, ce n'est rien d'autre que le fait d'avoir intériorisé certains comportements et puis la banalisation, l'indifférence. Donc, on doit y lutter. Alors, j'aimerais qu'on réponde un peu aussi au public. Hein. Il y a des questions qui sont arrivées. Je pense qu'il y a la REPFO qui a posé une question. Il faut qu'on passe à eux également. Si vous permettez, comme notre temps est très limité, il y a quand même une question d'un auditeur. D'abord, une remarque qui disait que Mathieu Dacosta faisait partie du même voyage qu'Étienne Brûlé. On l'enseigne dans nos écoles francophones. Donc ça, c'est un. Et une autre question qui peut justement se coller avec cette réflexion. Que peut-on faire pour forcer un changement de curriculum d'histoire dans les écoles de l'Ontario pour mieux enseigner l'histoire des Noirs? C'est une question d'un auditeur. Je peux répondre. Messieurs les enseignants. Du curriculum, donc, c'est, comme j'ai dit, d'abord, c'est des décisions politiques. L'enseignement, c'est le ministère de l'Éducation qui gère. Le curriculum de l'Ontario, ce n'est pas celui du Québec, ce n'est pas celui des territoires du Nord. Donc, en Ontario, c'est le ministère qui décide. Et le ministère a fait beaucoup de progrès ces dernières années. On l'a salué, on l'a noté pour ce qui est des communautés autochtones. Okay? Donc, c'est ça aussi qu'on devrait faire pour les Noirs. Mais il n'y a pas que ça. Les parents, les populations peuvent faire des pétitions, peuvent parler. Les Noirs qui sont là, ils travaillent, ils payent les impôts, ils font partie de la population. Pourquoi leur histoire ne doit pas être enseignée dans les écoles comme les autres? Pour quelle raison? Pourquoi on ne doit pas enseigner les grandes figures, les John Ware, les William Hall, qui fut le troisième Canadien à avoir la médaille de Victoria? Aujourd'hui, il n'y en a que 95 dans tout le pays. Hein? Les Marie-Joseph Angélique, j'ai parlé de James Douglas, énormément de personnalités. On ne les enseigne pas. Pour quelle raison? Les Noirs, ce n'est pas une question de Noirs. Nous sommes tous des citoyens canadiens. Dans la mesure où tu vis dans un pays, tu es citoyen, il n'y a pas plus de citoyens que toi. Moi, aujourd'hui, je me considère canadien comme les autres. Il n'y a personne qui est plus canadien que moi. Je vais vous le dire ça tout de suite. Personne n'est plus canadien qu'Amadou aujourd'hui. Parce que je suis canadien. Oui. C'est donc, ça que je suis. Alors, donc, pourquoi on n'enseignerait pas mon histoire? Donc, ça prend d'abord une prise de conscience, un débat qui se pose et des décisions politiques. L'autre chose, c'est au niveau des médias, c'est au niveau des postes de responsabilité, arrêter de penser que les Noirs n'ont pas de compétences. Ils ont des compétences comme les autres. C'est une éducation. Quand on travaille, on a des compétences. Donc, c'est vraiment un déclic qui s'impose. Aujourd'hui, je parle très fort parce que je pense que le débat n'est pas encore posé. Si le débat était véritablement posé, il y a des choses qu'on ne pourrait pas entendre. Bon, très bien. Est-ce que Blaise ou Melchior veulent ajouter quelque chose à propos de cette question? Donc, l'enseignement de l'histoire, moi, j'ai aucune idée comment on s'y prend ici au Canada. Je constate que mes étudiants à l'université, ils ne connaissent même pas l'histoire européenne. On ne l'enseigne pas. On enseigne l'histoire canadienne. Quelle partie de l'histoire canadienne, je ne sais pas. Est-ce qu'on enseigne l'histoire chinoise?
J'ai aucune idée. Il y a combien de Chinois ici? Donc, il y a des choses qu'il faudra discuter. J'ai l'impression que ce qui pourrait arriver, ceux qui parlent le plus, comme ça risque d'être le cas maintenant, si on a des gens qui ont des arguments, qui, je crois que c'est ceux qui parlent le plus, parce que c'est politique, qui vont réussir à faire enseigner leur histoire. Donc, si les Noirs nous parlons, ça serait possible de jouer politiquement, d'utiliser nos votes, monsieur le député, ou de, je ne sais pas. Je crois que ceux, si ça les intéresse et qu'ils jouent cette carte, c'est possible. Mais je ne suis pas en train de voir si les autres, les Japonaises qui jouent cette carte, je n'ai aucune idée. D'accord, donc nous approchons de la fin. Hein. Donc, Blaise, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vraiment un domaine que je suis de très loin. Je pense que les deux enseignants sont beaucoup mieux placés que moi. C'est des enjeux de lobbying aussi, hein, Melchior l'a dit, en présence d'un député, d'un homme politique. Donc, sachez qu'il y a un électorat à chercher qui est sensible à ce que son histoire soit enseignée. Surtout que je vous rappelle que en 2012, en tout cas le gouvernement Harper, hein, M. Monipa vient de parler des Japonais, il a présenté publiquement des excuses à la communauté japonaise qui a subi pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est des Canadiens d'origine japonaise. Le gouvernement de Harper a présenté des excuses publiques. On a présenté aussi aux communautés autochtones. Est-ce qu'une seule fois, quelqu'un a entendu des excuses pour l'esclavage au Canada, pour tout ce racisme? Pas encore, mais je vous dis, c'est-à-dire qu'on est dans un monde aujourd'hui, c'est comme normal. C'est normal. Et même les Africains, les Noirs aussi, trouvent ça normal, beaucoup en tout cas. Moi, je suis sorti de ça, pour vous dire clair. Alors, tout le monde n'est pas venu ici aussi de la même façon. Pour finir, je fais partie de ces gens-là que le Canada allait chercher à l'extérieur. Moi, c'est le Canada qui allait me chercher. Parce qu'au Canada, les gens le savent qu'ils ont une politique d'immigration. Le marché de travail canadien a besoin des gens. Moi, un jour, j'étais à Paris, ils sont venus faire un stand pour chercher des gens pour venir au Canada. Je suis allé écouter et ça m'a intéressé ce qu'ils ont dit. C'est comme ça que j'ai fait mon projet, je suis venu au Canada. Mais quand j'ai quitté mon pays, le Sénégal, pour faire mon doctorat en France, je n'ai jamais pensé que je me retrouvais au Canada. Ce n'était même pas mes objectifs. Okay? Donc, vous voyez, eux, ils vont aller chercher les gens. Mais quand on va chercher les gens aussi, il faut que ça se passe correctement. Moi, je n'ai pas à me plaindre. De toutes les façons, que ce soit au Canada, au Sénégal, n'importe où, moi, je m'adapterai. Ça, c'est ma force intérieure. Je vais m'adapter, je n'ai pas de problème. Mais je ne peux pas concevoir qu'il y ait une minorité discriminée. Et ça, c'est l'absence de démocratie. Pour moi, un pays fort, ce n'est pas un pays qui a une population, puissance militaire, le PNB, c'est un pays qui traite avec justice ses minorités. C'est ça, un pays de démocratie. Quand les minorités sont bien traitées avec dignité et quand tout le monde se sent bien. Voilà la belle démocratie dont je rêve pour notre pays, le Canada. D'accord. Donc, merci pour votre intervention. Nous avons une autre question d'un auditeur qui dit « Que pensez-vous de la juxtaposition entre les termes du noir et du blanc selon leur définition raciale ?» De quoi? Oui. Je n'ai pas compris la question, je m'excuse. Je répète la question. Que pensez-vous de la juxtaposition entre les termes du noir et du blanc selon leur définition raciale? Question compliquée. Très compliquée. Mais je comprends toujours. En ce qui me concerne, je sais une chose, c'est qu'en termes de race, il n'y en a qu'une. Il n'y a que la race humaine. Oui. Il se trouve que les apparences, certaines apparences morphologiques sont telles que ma peau à moi, elle est sombre. On dit qu'elle est noire. Elle n'est pas vraiment noire, mais bon, dans le langage convenu, on dit qu'elle est noire. On dit de gens, des Caucasiens qui sont blancs. Tant que ça reste dans un langage commun, respectueux, qui n'entre pas dans une idéologie racialiste qui hiérarchise les uns par rapport aux autres, qui attribue aux uns des qualités et attribue de manière subjective des tares à d'autres, que je sois considéré comme noir, Oui. Moi, ça ne m'a jamais posé de problème, ça ne me pose pas de problème. Après, on peut développer, on peut aller ailleurs avec des termes beaucoup plus problématiques, mais que l'on dise que je suis noir,
mon Dieu, je suis noir, je le constate tous les jours et ça ne prête pas conséquence pour moi. Justement, je repense à une interview qui a été donnée à un journaliste français au président Barack Obama, quand il parlait des noirs et des browns, et le traducteur français a dit les noirs et les gens de couleur. Que pensez-vous de cette... C'est mot qu'on a du mal à passer, à coller sur les gens. Je crois que ça dépend des pays. Vous savez, quand vous êtes aux États-Unis, vous avez une goutte de sang noir, vous êtes noir. Mm. Quand vous êtes en Haïti, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, plus votre peau est claire, plus vous vous assimilez plutôt au blanc. Quand vous êtes en Afrique du Sud, c'est encore une autre réalité. En Afrique du Sud, vous avez les noirs, vous avez les Indiens, à cause de l'Empire britannique, et vous avez les métis. Donc, ce sont des hiérarchisations qui dépendent géographiquement de pays différents. Mais moi, ce que je voulais dire, je fais des blagues en classe, parfois, et ça fonctionne toujours très bien. J'ai eu peur à un certain moment que ça ne fonctionne pas. Je dis à tout le monde, dans mes classes, au commencement, vous étiez tous comme moi, vous étiez tous noirs. C'est comme ça, la réalité historique, jusqu'à preuve du contraire. Et puis, il y en a un qui m'a dit, mais qu'est-ce qui a changé? Je dis, vous êtes dégénéré parce que, regarde, vous avez beaucoup de poils, comme les singes. Moi, j'ai aucun poil sur la peau. Et puis, il m'a dit, mais non, nous n'avons pas dégénéré. C'est vous qui n'avez pas évolué. Donc, on peut en blaguer du moment pour faire comprendre que finalement, on est la même race, finalement, tout simplement. Parce que si on y va avec passion, on crée des blocages qui éliminent toute communication. Je crois que la réalité des couleurs, elle est là. Les erreurs et les problèmes que ça peut causer. Mais pour surmonter ça, je crois qu'il faut revenir au commencement. Tout simplement, comme je dis, nous sommes noirs tous à l'origine. Et puis, vous pouvez étudier scientifiquement ce qui s'est passé pour que, au niveau de la couleur, l'humanité se diversifie. Mais fondamentalement, nous sommes un. Nous sommes la même race, comme disait mon ami Blaise, tout simplement. Très, très bien. Donc, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? On peut ajouter, mais pratiquement le temps est fini. Hein. C'est là encore. Pratiquement, on m'a juste dit que le ministre serait un petit peu en retard. Donc, C'est l'histoire qui répond à la question. Les concepts de noir, de blanc, tout ça, c'est plus des créations humaines en réalité. Alors, pour ce qui est des noirs, les Africains, pratiquement, même l'Afrique, africain, ça vient d'où? Les Africains ont été désignés noirs depuis l'époque romaine. Hein? Bonjour. Affaire Africanus. Oh, notre ministre est là. Je pense que je ne vais pas aller loin dans les explications. On va lui laisser la parole, sans doute.